Bonjour les fans, je suis Franco. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 5 minutes de rire. Aujourd'hui, on va parler des prêtres et des pasteurs qui sont à couteau tranchant entre eux. Hey. Hey. Mais avant, générique. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Quoi? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Mon Dieu, tu dis quoi? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Eh oui! Et si on met ça sur Internet? Mettez ça sur Internet, je l'ai dit. Mon ami, tu dis ces choses parce que tu ne pries pas. Chégué! Mon père, est-ce que tu as suivi ce pasteur? Le pasteur lui-même, à le regarder seulement, vous voyez que c'est un pécheur. Chégué! Ah bon? Vous voyez que c'est un émeu. Pourquoi? C'est de la haine. Mais si quelqu'un a de la haine envers la Vierge Marie, qui est la maman qui lui a donné Jésus, tu attends qu'il dise du bien de l'église catholique. Chaman. Hey. Massa, j'ai dit à mon père, pourquoi tant de sabotage pour votre église? La suite de la bande, il critique la sainteté de l'ange à la Vierge Marie en prière. Ça la critique. Quoi? La suite de la bande, il critique la sainteté de l'ange à la Vierge Marie en prière. Ça la critique. C'est ça qui fait de l'église la salle d'attente de l'enfer. Parce que dans l'église catholique, on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ah bon? Je comprends. D'accord. En fait, je ne savais pas où. Mon père, fais-les comprendre que plusieurs ont démissionné, mais votre église reste toujours la meilleure. Il y a des gens qui ont critiqué l'église catholique. Il y a dans l'église catholique des prêtres qui sont partis. Mais voilà! Comme qui par exemple? Arius était un prêtre. Un? Nestorius, un évêque. Deux? Martin Luther, c'était un catholique, un moine. Trois. Augustin. Mais il a quitté. L'église est-elle tombée? Chaman. Je demanderai à mon père, quelle est la particularité chez vous les catholiques? Vous savez que cette église-là n'a pas d'avenir. Si ce monsieur-là meurt, il y aura division. Mais oui, c'est clair. Il y aura compassion 1, compassion 2, compassion 3, compassion 4, 5, 6, 7, 8, 20. Mais l'église catholique, le pape François peut mourir. L'église catholique sera là. C'est vrai. La prière, ce n'est pas lorsqu'on fait le signe de la croix. Ce n'est pas ça la prière. Tu vas en Afghanistan, tu trouveras des gens en train de faire le signe de croix. Tu vas au Koweït, tu trouveras des gens en train de faire le signe de croix. Malgré les critiques. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Non, c'est déçoignant, je suis déçu. Mais mon père, à vrai dire, parlant des pasteurs, moi je constate que c'est la jalousie. Hein. L'église ne tombera pas. Tu es sûr? 2000 ans, plus de 2000 ans, nous tenons bon. Il y a des gens plus forts que ces messieurs-là qui ont essayé, ils n'ont jamais réussi. Tous on a été catholiques. Massa, et tu as démissionné pour quelle raison, papa? Lorsque j'étais catholique, je ne savais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Pourquoi? Je ne savais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Kamakoka Kiko. Ah, Massa. On laisse au Dieu là-bas, on convient au Dieu. Je n'ai rien contre les catholiques. Ah bon, hein? Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que l'évangile des catholiques, c'est une doctrine des démons. Quoi? C'est une doctrine des démons. Que ton âme ressource aspect. Tu es malade, tu as fumé le chanvre. Tu es promoteur culturel, tu es artiste et musicien, producteur ou réalisateur ou encore écrivain. Vous cherchez une belle salle pour présenter vos œuvres. Contactez rapidement les Las Vegas situés au niveau de Pont Emana à Messassi, derrière Amouba, à Yaoundé. Vous voulez organiser également vos événements tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire ou d'autres événements. Contactez les Las Vegas pour la location de la salle. Une salle climatisée avec des jeux de lumière importés. Les Las Vegas met à votre disposition un DJ, des couverts, un tapis rouge et des chaises royales. Les Las Vegas, c'est également l'hébergement, la restauration et un snap VIP pour vos divertissements. Contactez rapidement ce numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Continue. Qu'on se dise la vérité. Oui, dis-nous la vérité. On prie les morts. Oh, c'est mille siens. On va prier les anges. On va prier ceci, on va prier cela. C'est souillant, hein. On croit à la Sainte Église et on croit en Jésus. Or, le salut, c'est seulement Jésus-Christ. Tu fous à ta tête. Et ceux qui ne croient pas en Dieu? Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui font des bonnes œuvres. Et ce sont également les enfants de Dieu. Mais si ta croyance elle-même, elle est falsifiée, tu crois en autre chose, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Hey, laisse les gens. Ah, je vois un peu. Comme qui par exemple? Quelqu'un ne me dira pas que les témoins de Jéhovah sont sauvés.
Hey papa, pardon, laisse les témoins de Jéhovah tranquille. Pardon, continue avec les catholiques. C'est diabolique. Tout ça, c'est les mangas. Hein? Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi est-ce que nous devons quitter des fois l'église catholique? Mais pourquoi? Parce que l'Exode nous dit qu'on ne fera pas d'image taillée. Oh, bata. Mais quand vous entrez dans une église où vous voyez des statues partout, des statues, et on va se prosterner, mais qu'est-ce qu'on fait des commandements du Seigneur? Que ça, c'est quoi? Lis-vous, la sorcellerie n'a pas la honte. Que Dieu te sauve. Mais vraiment? C'est quoi la prière selon toi, pasteur? La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est une inspiration. La prière, c'est la révélation. C'est un temps que tu mets à part pour dire, je veux parler, je veux dialoguer avec Dieu. Mais pourquoi vous faites trop de bruit? Vous criez quand vous priez? Parce que nous exprimons notre foi. Quoi? Nous exprimons notre foi. Amen. Arrêtez le banga. Dominus vobiscus. S'imprintant sur le bolambalandé de Myria. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bye bye.